Pierre Fortier du Réseau d'information des aînés du Québec. Vous prenez votre retraite, vous cherchez un passe-temps. Pourquoi pas faire comme Mme Lucille Charbonneau qui, elle, les plantes, les fleurs, c'est sa passion? Je suis avec Lucille Charbonneau. Mme Charbonneau, 90 ans que la famille Charbonneau est implantée à Laval dans les plantes, dans les fleurs. Vous, vous faites quoi ici? Ben, je continue à travailler. Je continue à arroser les plantes, à faire des boutures, à servir les clients. Je fais de n'importe quoi. Alors, il y a des gens qui viennent vous voir ici, là, puis ils sont à la retraite, ils veulent un passe-temps. Vous leur dites quoi? Je leur donne des conseils pour bien réussir avec les plantes. Quand les gens viennent vous voir, les clients, qu'est-ce que vous leur conseillez comme plante? Premièrement, les géraniums. Très facile. OK. Les impatiens. Ouais. Les coleus. Les coleus, c'est joli, ça. Donc, l'entretien de ces plantes-là, c'est facile? C'est très facile, en autant que l'impatient demande plus d'eau. Alors, si les gens achètent ces trois plantes-là, donc c'est pratiquement une réussite, là, mais vous avez des petits trucs à leur donner. Ah non, avec des vitamines de temps en temps. Ah ah, c'est ça le secret. Et puis de l'eau, puis de l'entretien, enlever les vieilles fleurs qui tombent, puis tailler de temps en temps pour avoir une belle plante. Pleine de tiges, là. Est-ce qu'il faut leur faire des compliments? T'es belle, ma plante, ça va l'aider, ça? Mais quand on l'arrose, c'était compliqué. Vous êtes une passionnée des plantes, Lucille. Là, il y a des gens qui vont acheter des comme ces plantes-là ici qui sont derrière nous et qui peuvent faire d'autres plantes avec. Vous faites des boutures. Montrez-nous donc comment vous faites ça. C'est très facile. On prend une bouture comme ça. On enlève les premières feuilles dans la poudre, prendre comme ça. Et la terre, c'est une terre spéciale? Oui, du ProMix. Du ProMix. Oui. Et vous, là, c'est comme à tous les jours, vous êtes ici 7 jours par semaine? Oui, 7 jours par semaine. C'est pas forcément pour moi. C'est ce qui vous tient en forme? Pour ça, oui. Je suis en forme. Pour mon âge, là, je suis en forme. Mais ça paraît, hein? Un beau sourire. Merci.